Oh putain, FIFA 22 est disponible. Bon, bah les gars, faut pas se rater sur l'introduction, hein. Généralement, les vidéos FIFA, c'est celles qui font le plus de vues. Alors, vous avez des idées? Ah, vas-y, non, c'est bon, me casse pas les couilles avec ton sport de tapette, là. Mais moi, je connais pas les règles. Eh bah, ça commence bien. Je vais tenter un truc. Salut mes petits noobs! Comme chaque année, ces enculés de EA veulent qu'on achète leur nouveau FIFA à prix d'or alors que c'est toujours autant de la merde enrobée de bugs qu'ils essayent de nous fourrer bien profond dans notre cul sans notre consentement! Je suis peut-être allé un peu fort là! Oh non, moi j'aime bien là! Moi! Ah, mais toi ta gueule là! Eh ben c'est pas comme ça qu'on va avancer les gars! Hein. C'est un peu le bordel dans ma tête là! Salut petits noobs! J'espère que vous allez bien! L'année dernière, je vous avais proposé 5 bugs dans FIFA 21. À cette heure-ci, vous êtes plus de 17 000 à avoir vu la vidéo. Donc bah déjà, merci beaucoup. Et deuxièmement, maintenant que FIFA 22 est disponible, j'espère qu'on va faire encore mieux. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le pouce bleu si la vidéo vous plaît. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait eu un bug de luminosité qui faisait jouer les joueurs dans le noir. Ben cette année, EA nous propose totalement l'inverse. À moins que ce soit pour nous montrer qu'au paradis, il y a du foot aussi. Putain, j'espère que je vais finir en enfer, moi. Faute. Mais non, y a rien là, putain. Je suis Dieu, c'est moi qui décide. Tiens, d'ailleurs, carton orange. Mais ça existe pas au foot, le carton orange. Eh ben je vais le rajouter, tiens, le carton orange, ça suffira, ben tu vas nous éplucher les oranges, enculé. L'année dernière, on avait aussi eu un petit souci de ballon. Alors à moins que le ballon, cette année, se croie dans la balle aux prisonniers, mais mode extrême, tu vois. Ou alors, c'est un futur jeu dans Squid Game. Et encore, le pire, c'est que la balle, elle fait pas que ça. En vrai, je sais pas si le problème vient de la balle, du poteau ou du gars. À moins que je sois en train de jouer à la bêta de Marvel Football et que j'ai mis Spider-Man au goal. Hein. Ou alors, la balle, ce coup-ci, elle est vivante. Non, je veux aller là-bas. Et au final, elle finira par disparaître. Je critique beaucoup EA, hein, mais en fait, je crois que c'est juste une grosse boîte hein, qui recrute tout le monde pour coder leur jeu, hein. Qu'importe le CV. Non mais regarde, là la balle, elle est sortie du terrain, donc le jeu devrait s'arrêter. Hein. Mais non, là, va savoir pourquoi, ça continue. Hein. Et ça c'est parce que c'est Jean-Kevin qui a codé le jeu, hein, et Jean-Kevin, la veille, c'était le mec qui préparait les chocolatines dans la boulangerie en face de EA. Et là, regardez, là, au moment d'un coup franc, bah, dès que la balle est touchée par un joueur, tout le monde a le droit de bouger, hein. Ben là non, que dalle, hein. À moins qu'ils aient vu le bug d'avant, là, qui fait disparaître tout le monde, là, je peux comprendre qu'ils aient peur, hein. Et comme tous les ans, j'ai l'impression que EA met des joueurs sur le terrain qui savent pas ce qu'ils doivent foutre. Bah genre là, Michel, il est censé tirer, mais apparemment, il hésite encore. Pire qu'Olivier Tom, le gars. Y'a rien à faire, les mecs veulent pas marquer. À moins que ce soit un geste technique pour tromper l'adversaire. Je vous en mets un autre en bonus, et là, ça se passe de commentaires. Bon, là je râle, parce qu'ils font de la merde. Mais des fois, ils sont même pas modélisés. Du coup, vous jouez avec un joueur en moins. Du coup, si c'est celui qui fait de la merde, bah c'est pas plus mal. Alors, j'avoue, je râle beaucoup, mais en vrai, FIFA 22, il est hyper réaliste. Non, mais ouais, regardez, là, le mec qui va tirer le penalty, il est myope. Et ben du coup, vous voyez ce que le gars, il voit. Franchement, c'est hyper réaliste. Alors, je pensais que c'était un souci de réalisme, hein, et puis, je suis tombé là-dessus. Bon, bah là, on est d'accord, hein, y a penalty. Hein. Mais finalement, Jean-Kevin, il a encore fait des siennes. Hein. De toute façon, comme d'hab, hein, le jeu a tellement de bugs que je pourrais vous faire une vidéo de facile une heure alors que le jeu vient tout juste de sortir. Hein. Dis pas que c'est de la merde, tu vas te faire lyncher. Ah non, non, t'inquiète, je vais pas dire que c'est de la merde. Hein. Mais c'est quand même une belle daube. Voilà les petits noobs pour ces bugs sur FIFA 22. Comme d'hab, le jeu est tellement bourré de bugs que je peux pas tous vous les montrer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les bugs que vous avez rencontrés. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez le mot ballon en commentaire.
N'oubliez pas de lâcher votre gros pouce bleu avant de partir et de surtout partager la vidéo à tous vos potes, ça m'aide beaucoup. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant une Knoob, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.